Haïti comme monnaie d'échange, même avec Ukraine, parallélisme des formes. Ukraine utilisée comme un moyen pour États-Unis attaquer ou encore ouais qui faiblesse là aussi gen la caille. Et là où ouais, monsieur yo a prend plus de terrain. Ukraine yo ba aux armes, l'Union européenne ba aux armes pour capable résister face à Poutine. Et où te ouais dans 77e assemblée de l'ONU où te ouais Ukraine et là aussi yo ta l'honneur. Tout le monde a parlé de yo et tout le monde ouais Poutine tant un dictateur surtout avec loi li fait pour toute réserve ici au vini et côté qui ont paquet de jeunes garçons a déserté yo pour aller en Géorgie pour capable et quitter pays parce que faut que yo al combattre yo pas décidé à combattre contre Ukraine. Et bien, c'est une bataille interposée. C'est une bataille par un pays et comme si c'est américain qui a bataille mais son bataille interposée et Poutine n'est pas bouffé elle fait menace d'armes nucléaires. Et bien, en retour qui ça va le faire. Regardez bien frère et soeur. Même quand j'ai en retour qui ça va le faire. Poutine pour utiliser même zame nan. Il pour utiliser Haïti comme yon problème des c'est cobay nouye de la même manière. Ça yo mandé. Yo mandé justice pour président Jovenel Moïse à cause de la disparition du président Jovenel Moïse. Pourquoi? C'est parce que yo connaît qui ça derrière ça y a dit. Même j'ont utilisé Ukraine comme monnaie d'échange pour être capable d'attaquer là. Aujourd'hui, c'est à mon tour d'utiliser Haïti comme monnaie d'échange pour y arriver à un objectif bien déterminé. Comment? C'est à travers les stratégies qui ont été développées ou encore qui auront à développer pour servir là aussi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs, Granger, on est dans une phase extrêmement importante. Nous constatons la guerre des gangs comme des terroristes d'État. C'est une partie de l'iceberg. Ce n'est que la pointe de l'iceberg. La plus grande morceau reste au-dessous. Aujourd'hui, la Russie va utiliser Haïti comme monnaie d'échange pour taquiner les États-Unis. Mais comment? Justice pour président Jovenel Moïse. 1. L'arrestation des gangs. 2. Les auteurs intellectuels des gangs, c'est-à-dire ceux qui ont financé des gangs. 3. D'où viennent-ils? Ou encore, d'où viennent-elles? Ou encore, les armes utilisées par les gangs? Dans quel pays? Nous connaissons tous, plus près de nous, à une étant 30 minutes. Est-ce que ce grand pays-là n'a pas la possibilité de détecter quelle qu'elle soit arme, quelle qu'elle soit type d'arme, qui ont laissé leur territoire, leurs états? Oui, mais maintenant, pourquoi sont-elles en Haïti? C'est la grande question qu'on arrive à poser. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la Russie utilise ces interrogations comme monnaie d'échange pour Haïti de la même manière pour l'Ukraine. Justice pour le président Jovenel Moïse, l'arrestation des gangs, les personnes qui ont financé les gangs, la liste de ces personnes-là, demandée tantôt par les États-Unis, non, demandée tantôt par la Russie et aussi par la Chine. La Chine a demandé aussi la liste des gangs, photos des gangs, ok, des correspondants des gangs, des auteurs intellectuels des gangs. Pourquoi on a besoin de ça? Remarquez, ce sont des questions similaires qu'on arrive à poser entre la Chine et la Russie. Pourquoi? Et en retour, ou encore, pour y avancer, la France aussi a demandé trois questions, trois éléments.
l'arrestation des gangs, la réalisation des élections, l'intervention pour freiner la famine puisque la moitié de la population vit au seuil d'une crise humanitaire aiguë. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est extrêmement important pour comprendre Haïti aujourd'hui comme monnaie d'échange. Pourquoi, après l'Ukraine, Poutine, et c'est Haïti qui est l'élément essentiel, pourquoi on a donné 17 octobre pour donner pour le Premier ministre ou encore le président PM donne un rapport bien détaillé pour la réalisation des élections, un calendrier bien détaillé. 17 octobre comme date butoir, comme deadline. Pourquoi on a fait ça? Tout simplement, c'est pour casser l'élan de la Russie en Haïti. À ne pas oublier, il y a des anguilles sous roche. Haïti comme monnaie d'échange. En dehors de l'inflation à 33%, 39% dans d'autres endroits, dans d'autres provinces en Haïti, en dehors de l'augmentation à 128%, comme un produit transversal, gaz, en dehors ou encore au seuil de la pauvreté, mais aussi il y a l'image des grands pays. Il y a aussi l'image des grands pays pour sauver la face. Haïti comme monnaie d'échange, comme dindon de la face, mais les dirigeants n'ont pas la possibilité pour réaliser une conférence générale pour planifier un projet de 25 ans de gouvernabilité pour aider le pays à sortir de l'impasse. Nous sommes fous. Nous sommes des imbéciles. Nous sommes quoi exactement? Tandis que les autres utilisent le premier peuple noir indépendant par une révolution anti-esclavagiste, anti-colonialisme, anti-ségrégationnisme. Une révolution complète. Mais aujourd'hui, devenue la crise locale des Antilles. Le temps auparavant, la perle des Antilles. Haïti chérie, Haïti, maintenant, comme des vaudouillologues, des autres, qui diront un mot pour nous, sans effet. Haïti comme monnaie d'échange, Haïti comme cobaye, Haïti dans la cour des grands, Haïti, Haïti. Merci.